on va reprendre le vieux concept. Voilà. Attendez, j'ai un doute sur le S de Braves. Ouais, non, s'il y a bien un S, on est d'accord. Voilà, on va changer évidemment cette couleur de slip. Pour le rouge de Mordheim, où est-il? Il est là. Voilà, no reroll for the brave. Avec, pourquoi pas un loup. Mais, voilà. Là, on est quand même plus dans le thème. Alors, évidemment, on va aller dans les montagnes. Car Scrox t'aime bien, tu veux qu'on change? Là c'est Karscrops pour l'instant, comme les crops les, ah, la crops circle. Oh la vache, j'ai du mal avec ce mot. Circle. Ça passe mieux que l'accent français. Circle. Ok, et c'est là qu'on s'amuse. Voilà, elle du corps du Nord. Ensuite, on a Krakoun, AD English. C'est fou qu'on puisse pas changer la couleur des cheveux de ces personnages. Ce serait vraiment pas grand chose. Alors ensuite on a qui? Ensuite on a qui? On a 110 minutes. 110 minutes. Salut Sylvie. Et ciao Script Team, repose-toi bien. Alors on a le Noseborn, et pour le coup il a déjà son Daskars. On a Clément de Senneville. Voilà le nom pas du tout, pas du tout approprié qui tombe très bien. On a Pascal. On va pas mettre que des 3 quarts Norse, simplement parce que sans reroll on a envie quand même d'avoir un peu d'options. Ricardo. Monsieur Aoui. Allez, ça c'est pour un coureur. Ah, et on a les gamers. Les gamers, donc c'est Vincent. On va lui mettre un berserker. Ensuite, on a Holy Space. Holy Space, est-ce qu'on lui met. On peut lui mettre un petit Yeti.
Monsieur Rab. Monsieur Rab, on va lui mettre un berserker aussi. C'est un nom très élégant. Alf. Oh, ça c'est pour le deuxième Ulf. Alf le Ulf. Est-ce qu'on peut changer sa tête? Allez. Donc on est à 12 là, ça va aller peut-être. Donc pas de relance. Ah mais oui c'est vrai, pas de relance. Donc attendez, on peut encore dépenser des sous. Ça c'est fait. Ah, qu'il y a déjà un perso. Tiberias. Est-ce qu'on se prend un lanceur? Ça peut être pas mal. Attendez, il nous reste 110 000. Ouais, non, on va prendre 2-3 quarts. C'est fait. Ah mais vous savez quoi, on va se refaire un petit fils des singes farouches quand même. Mais c'était un lanceur, mince. Et on va garder l'argent. On va garder l'argent et puis au prochain match qu'ils feront, dès qu'on touchera donc les 10 000 balles de plus, on se prendra le lanceur fils des singes farouches, je crois que c'est le 7. Quelque chose comme ça. Ah non, c'est Bernard Minet qui était 7. Votre fils des singes farouches 2. Petit-fils des singes farouches même. Et donc voilà, on en a terminé avec cette équipe.